Alors, je suis venu moi pour la Northscape 4000 avec l'envie de me dépasser, l'envie de découvrir des pays que je ne connaissais pas, des pays, pays scandinaves notamment, même si j'étais déjà venu dans les Lofoten, j'avais envie de revenir d'ailleurs en Norvège et en passant par tous les types de paysages possibles, en vivant une aventure hors du commun et puis tout ce que comporte une aventure d'ultra-endurance, c'est-à-dire pour ma part, des nuits courtes et des journées extrêmement longues jusqu'à 20 heures de vélo dans la journée. Avant de venir, j'avais pas forcément d'objectif de résultat. Je pensais pouvoir rentrer cette trace en moins de 12 jours avec le projet que j'avais fait juste avant, qui était de la même distance mais en gravel. Donc voilà, des gars qui étaient plus rapides que moi aujourd'hui, ils sont à 1000 km ou 1500 km de moi. Donc, ouais, il faut être un bon stratège et puis essayer d'optimiser son potentiel. Et tous les jours, il y avait quelque chose qui se passait et un autre joueur, un autre concurrent qui arrivait. Et tous les jours. Et Bruno qui arrive à la fin comme ça, à me mettre la pression, et tout ça dans des paysages qui sont pas faciles, hein. Il y a des endroits, même la fin là, pour arriver ici, c'est waouh, c'est hyper long, c'est dur, il y a plus de 2000 mètres de D+, et voilà, mais c'est l'aventure, c'est la vie, et je suis très content de l'avoir fait.